Cette nuit-là, Antigone fait un rêve étrange. Elle voit sa mère, la reine Jocaste, dans le jardin du palais, entourée de ses rosiers. Elle porte sa grande robe bleue. Elle a les mains sur son ventre arrondi. Et elle sourit. Oedipe arrive. Il est jeune. Il semble si heureux. Il s'assied tout contre Jocaste et elle lui dit « Parle-lui. » Il s'appelle Polynice et il sera un grand roi. Oedipe se penche alors sur le ventre de sa femme et il prononce à son fils des paroles d'amour et des bénédictions. C'est alors qu'Antigone voit à l'intérieur du ventre de sa mère. Il y a deux enfants. Au mot d'Oedipe, il y a un enfant qui s'allume comme un soleil. Et à côté, dans l'ombre, il y a l'autre enfant. Il semble pâle et fin comme un croissant de lune. Antigone ouvre les yeux. Que faire face à une guerre qui a commencé déjà dans le ventre de notre mère ? Yeah.